Bulle Gaming là avec vous là. On se retrouve aujourd'hui ici les gars pour un glitch les gars. Un super glitch, ok. Les gars, ce glitch là les gars, on va ramener les personnages du mode histoire sur le mode online, ok. On va ramener online, ok les gars. Le mode du mode histoire, on va ramener online. Les gars, pour réaliser ce glitch là les gars, il va falloir aussi les gars. Il va falloir que vous aurez aussi les gars un QG, ok. Un club des motards. Mais je vais vous expliquer plus tard. Regardez la vidéo, comme ça, vous n'allez pas louper, ok? Et là, les gars, il va falloir aussi une mission. La mission, les gars, c'est viande fraîche, ok? On va aller chercher. Voilà, viande fraîche. Vous cherchez la mission viande fraîche. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fini le jeu, ok, les gars? C'est impeccable, ok? Pour ceux qui n'ont pas fini le jeu, vous faites les missions jusqu'à arriver là, ok, les gars? Fais vite parce que Rockstar va pas tarder ça pour patcher ça aussi, ok les gars. Donc là, vous lancez la mission, on va faire la mission, ok les gars. Mais avant de commencer les gars, avant de commencer la vidéo là, les gars, n'oubliez pas les gars de laisser votre like, ok, c'est très important, votre like ici sous la chaîne. Abonnez-vous sous la chaîne, ok les gars, et activez la cloche les gars, ok. Activez la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on va le faire? Comme je vous avais dit, les gars, il faut un QG, ok? Un club des motards en mode online, ok, les gars? Sinon, on ne peut pas le faire. Et là, les gars, regardez, on va commencer le glitch d'ici. Vous allez finir la mission, ok, les gars? Et dès que vous avez fini la mission, les gars, on va trouver dans la maison à Michael, ok? Avec Michael, ok, les gars? Regardez bien. Là, c'est la cinématique. Je vais avancer, ok. Je ne vais pas rester ici sur la mission parce qu'elle est un petit peu longue. Par contre, les gars, si vous ratez la mission trois fois, vous pouvez la finir, ok. Vous ratez trois fois, vous cliquez passer et c'est bon. Et là, les gars, on va se retrouver avec Michael, ok, les gars. Michael, ici, à sa maison. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va aller faire une sauvegarde, ok, les gars. Vous allez sauvegarder une nouvelle sauvegarde, ok, les gars. Vous n'allez pas écraser des sauvegardes à vous, ok. Vous allez sous le lit, vous cliquez flèche de droite. Il va coucher, ça va vous proposer de faire une sauvegarde, ok. Vous faites la sauvegarde. Une fois vous allez finir la sauvegarde, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, ça m'a fait un changement et ça m'a ramené sur la première save, ok, les gars. Sur le premier sauvegarde que j'avais avec Trevor à côté de la piscine. Donc là, dès que je me suis levé, ça fait un petit écran noir. Et ça m'a ramené avec Trevor, ok, les gars, dans une autre sauvegarde. Et là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jeu, charger, et vous allez choisir la sauvegarde qu'on vient de sauvegarder. Regardez, viande fraîche. Vous cliquez dessus. Les gars, vous inquiétez pas, ok? Ça va pas vous lancer dans la mission encore. Ça va nous lancer jusque là-bas où on avait fait la sauvegarde, dans la maison à Michael. Et là, les gars, dès qu'on arrive dans la maison avec Michael, les gars, ça va être free. Le personnage, il va être bugué. Regardez, Michael, il va être bugué. Et là, ça va faire cette cinématique-là, ok? Avec GTA 5, tatati, tatata. Vous attendez, vous allez voir, les gars, un écran noir à l'infini ici, ok? Et là, les gars, qu'est-ce qu'on va le faire? Avec flèche, on va mettre flèche du bas, ok? Pour sélectionner un personnage. Et avec le joystick de droite, on va faire vers le bas. On lâche. Et là, on va voir une alerte. Vous cliquez rond. Ok, les gars. Et dès que vous cliquez rond, les gars, on va être ici avec Franklin, les gars. Exactement. Parce qu'on avait choisi Franklin. C'est ça le bug. Ok, les gars. Et là, les gars, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ici? Ici, nous, on va utiliser un numéro, ok, les gars, pour appeler au mode réalisateur. Parce que là, on ne peut rien faire. Ok. Il faut qu'on va en mode réalisateur pour débugger. Donc, pour aller au mode réalisateur, les gars, on va prendre le téléphone, ok? Et on va rédiger, les gars, un numéro, ok? Le numéro, les gars, je vais mettre ici sous la vidéo, ok? Il va être là. Vous allez voir, là, j'ai raté. Les gars, c'est une vidéo que j'avais sauvegardée, ok? J'ai pas fait en même temps, ok, les gars? Et j'ai parlé aussi en même temps, c'est dur. Donc là, on va appeler, on va donner un coup d'appel au mode réalisateur.
c'est ça le numéro, ok les gars? C'est 1-999-57-82, ok les gars? 53 et 68, ok les gars? Dès que vous avez composé ces numéros-là, les gars, qui est affiché ici, là, vous allez cliquer sur carré, ok les gars? On va cliquer sur carré. Une fois vous allez cliquer sur carré, ça va vous lancer, il va vous arriver une alerte, ok les gars? Et cette alerte là, les gars, vous confirmez, ok? Voilà, vous confirmez cette alerte là si vous voulez vraiment aller au mode réalisateur. On va cliquer X et là on va aller au mode réalisateur, ok les gars? Les gars, je vais encore vous demander, ok les gars, n'hésitez pas à laisser votre like, ok les gars, inscrivez-vous sur la chaîne et activez la cloche pour ne pas perdre aucune notification. C'est très important, ok? Votre place, elle est importante ici parmi nous, ok les gars? Donc là les gars, pour continuer le glitch les gars, on va aller sur personnages principaux, ok? Vous allez personnages principaux, Franklin, et vous allez cliquer X. On va sélectionner Franklin. Et là, les gars, on va spawn dans le mode réalisateur. Les gars, il va falloir qu'on suicide, ok, les gars? Pour ceux qui n'ont pas d'arme, qui n'ont pas moyen de suicider avec une arme, les gars, vous allez trouver la mer, je ne sais pas, vous plongez dans l'eau, vous sautez d'un bâtiment, il faut qu'il vous suicide, ok, les gars? Il faut suicider. Pour ma part, j'en ai des bombes, là. Voilà, je me suicide. Et là, ça va me faire retourner à la caravane, ok? Automatiquement, on va retourner à la caravane. Et là, les gars, dès qu'on arrive ici à la caravane, qu'est-ce qu'on va le faire? On va retourner au mode histoire, ok, les gars? Vous allez retourner au mode histoire. Vous allez sélectionner, vous allez cliquer dessus. Et là, on va retourner au mode histoire. Les gars, pour ceux qui font, les gars, le démo, il s'assemble beaucoup au démo, ok? Sauf qu'on n'a pas besoin de... C'est bizarre, rien du tout. Et là, on va lancer une session sur invitation, ok? Vous allez cliquer en Start Online, jouer GTA Online, session sur invitation. On va lancer une session sur invitation. Les gars, pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore dans le QG, ok? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Une fois arrivé ici, pour ma part, j'avais déjà l'apparition au QG, au Club des Motards, ok? Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait, si vous commencez le glitch déjà, dès que vous allez lancer session sur invitation, qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Vous allez mettre apparition au QG, ok? Le Club des Motards, et vous changez de tenue, ok? Et c'est bon. Dès que vous avez le rond, c'est bon. Donc là, les gars, on va quitter, ok? On va quitter le mode online. Vous allez quitter le mode online. Et là, on va aller dans une session histoire, ok les gars? On va retourner au mode histoire. Voilà, on attend. Il y a un petit chargement, ok les gars? Normalement, on va apparaître dans la maison à Franklin, ok, avec lui. Les gars, ici, vous allez voir un appel. Hein. Fais gaffe avec cet appel-là, ne répond pas, ok. Normalement, dès qu'on va sortir, dès que vous allez sortir, on va sortir de la maison, là. Vous allez voir un appel de Siméon. Vous ne répondez pas, ok, les gars. Si vous répondez cet appel-là, il faut tout recommencer, ok. Ne répond pas au téléphone. Ici, les gars, on va lancer, on va aller online, on va aller en mode éditeur, ok, les gars? Les gars, c'est la même chose qu'au démo, ok? C'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Là, c'est jusqu'à la fin, les gars, que ça va changer, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le mode éditeur. Et là, les gars, on va lancer la capture, ok, les gars? L'activité, la petite activité, là, la petite activité pour débloquer les activités récentes. Okay, pour voir en mode histoire l'eau alerte des activités récentes, ok les gars, si on veut vraiment lancer GTA Online, on a besoin de cette alerte là, ok.
Donc là, les gars, pour ceux qui n'ont pas l'activité, les gars, je vais laisser sous la description une des vidéos qui je montre comment la faire, ok? C'est facile si vous suivrez les consignes qui demandent pour faire l'activité. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc là, les gars, on va tester, ok? On va lancer, on va tester l'activité. Et on va faire pareil comme le démo, ok, les gars? Comme l'agent freeze, c'est pareil, c'est la même chose. On va lancer, on va arriver dedans, on va sélectionner une session sans invitation. Voilà. Là, on va cliquer pour lancer. Dès qu'on lance, double PS et on déconnecte l'Internet. Pour ceux qui n'ont pas laissé déjà le curseur sur déconnecter l'Internet, les gars, c'est pas grave. Double P, le bouton PS, vous allez sur réseau et vous déconnectez. Dès que ça commence à bouger le ciel, les gars, double PS, on reconnecte l'Internet, ok? Vous allez reconnecter. Et là, on attend, ça va nous faire respawn dans une session, au mode histoire, ok? Voilà. Les gars, ici, c'est là maintenant, les gars, on a besoin de l'appel de Simeon, ok? Le petit appel là que vous avez vu, que je vous avais dit pour pas accepter. Dès que vous allez sortir dehors, il va encore nous appeler, ok? Et là, les gars, vous allez répondre. Start, éditeur Rockstar. Et là, les gars, on va lancer mode réalisateur, ok? On va aller en mode réalisateur. Voilà. Là, les gars, en arrivant ici, vous allez sur paramètres, ok? Et on va mettre midi, ok, les gars? Vous mettrez midi. Sinon, les gars, on ne peut pas rentrer dans le cinéma parce que nous, on va rentrer dans le cinéma, ok? Les gars, il y en a deux méthodes de faire avec le cinéma. Moi, je vais montrer la méthode qui nous tous, on sait déjà comment faire. C'est la même chose que j'ai fait sur mes vidéos, ok? Là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Start, ok? Vous n'allez pas voir un appel ici, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de timing, ok, les gars, comme l'autre. Avec Save Wizard, il y a un timing, ok? Parce que sinon, ça nous fait rentrer dans une mission. Ici, non. Ici, la simple chose qu'on va faire, on va mettre un petit repère devant le cinéma, ok? Voilà, nickel. Et là, on va ouvrir le pad. Là, dès que vous avez le petit repère ici, qu'est-ce qu'on va le faire? Vous allez retourner, ok? Retourner avec Franklin, le pad et repère. Et vous cliquez X pour téléporter. Les gars, une fois on va téléporter ici, qu'est-ce qu'on va le faire? Les gars, on va aller dans le cinéma, ok? Vous allez rentrer dans le cinéma. On va aller sur la porte là-bas. Vous allez cliquer flèche de droite, ok, les gars, pour rentrer, pour accéder au cinéma. Voilà. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le cinéma, ok? Vous allez cliquer pour rentrer, flèche de droite. Une fois arrivé là-bas, on va ouvrir le pad et on va retourner à la caravane, ok? Voilà, retourner à la caravane, on va cliquer X. Là, on va voir un chargement infini, ok? Vous allez cliquer sur le bouton PS. Et là, les gars, vous avez deux options. Vous faites comme moi là, ok, sur la vidéo. Tout en bas, là, on va cliquer sur ici, sur une petite cape là. Ou sinon, vous allez sur un ami, activité récente. Dès que vous cliquez sur la petite cape là, lancer GTA Online, ok les gars, vous cliquez dessus et là c'est bon. Vous allez voir comme moi là, ok, en alerte. Regardez, moi je clique là-dessus, j'ai cette alerte là, je clique rond. Là on va aller sur Online, jouer GTA Online, session sous invitation. Dès qu'on va lancer la session sous invitation, les gars, double PS, on déconnecte l'internet. On va recliquer double PS pour retourner au jeu, on va voir un alerte, ok. Vous cliquez sur cette alerte là. Double PS encore, les gars, on rallume l'internet. Double PS encore pour retourner dans le jeu, ok. Et là, vous allez spawn avec Franklin comme ceci là, dupliqué, ok. On va dupliquer les personnages, regardez bien, il est dupliqué. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est simple, on va lancer un mode éditeur, ok. Une fois vous arrivez ici, les gars, qu'il y a les deux personnages dupliqués, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller online, ok, vous allez sur online, vous allez ouvrir le start, vous allez sur online et on va lancer éditeur, ok, on va aller sur le mode éditeur. Regardez comment là, éditeur, et on lance le mode éditeur.
Les gars, là, on va voir à peu près avec le glitch, l'agent freeze avec ses visas. Hein, c'est la même chose, ok? Là, ça va nous faire monter au ciel. Après, ça va nous faire spawn tout en bas, ok? Parfois, c'est avec Franklin, Michael. Parfois, c'est... Ça dépend, ok? Pour moi, là, c'était Michael. Regardez, on va... Dès qu'on monte au ciel, on va cliquer bouton PS. On va déconnecter. On va retourner ici. On va voir un alerte. Et on va cliquer retourner à GTA Online, ok les gars. Dès que vous allez voir un écran noir, double PS, ok les gars, vous reconnectez l'internet. Et là les gars, vous attendez ici quelques minutes, ok. Dès que vous avez quelques minutes, vous allez encore, vous allez retourner encore comme pour lancer une activité récente, ok. Ou vous allez venir ici, ou sinon vous allez sur un ami, ok. Et là, vous cliquez ici et carré, ok les gars, n'oublie pas. Là, vous allez cliquer sur carré. Une fois, vous allez cliquer sur carré pour réessayer. C'est bon, vous attendez. Ok, les gars. Là, c'est un petit chargement qui est un petit peu long. Ok. Là, pour faire ces glitches-là, les gars, vous allez voir beaucoup de chargements longs. Ok. Vous inquiétez pas. J'ai eu des chargements ici qui m'a... Il a duré à peu près 2 minutes. Ok, les gars. Les gars, une fois on est arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Start, Online, Activité, Jouer Activité, Créé par Rockstar, Mission. Et on va lancer un travail des titans, ok les gars. Les gars, le travail des titans, il revient des célébrités. Hein, parce que nous, tout le monde connaît maintenant le travail titan. Oui, exact. Donc là les gars, on va rentrer dans le travail titan et on va lancer l'activité, ok, solo. Les gars, important, vous lancez solo, ok. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un avec vous, vous sortez, vous recommencez, ok. Sinon, faites comme moi, mais en privé, ok. Vous laissez votre, type de salon privé, comme ça, vous n'allez pas avoir des soucis. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais sélectionner le personnage du mode histoire. Et là, on va voir l'alerte, vous cliquez « rond », ok, les gars, sur le personnage du mode histoire. Une fois vous allez cliquer rond, il va spawn ici avec Franklin, ok. Vous allez voir parfois votre personnage mode online il est même à l'extérieur. Dès que vous arrivez ici les gars, vous allez sortir le start, ok. Vous allez cliquer sur start online et là les gars on va rejoindre des membres du crew. Les gars, c'est important, les gars, que vous aurez aussi le crew que vous êtes enregistré, qu'il n'y a personne, ok. Si c'est un petit crew, ça va. Si le crew, il a beaucoup du monde, les gars, ça ne va pas le faire, ok. Ça va pas marcher. Et donc là, ça va faire comme moi, là, pareil, vous ne faites rien. Dès que vous allez rejoindre membre du crew, regardez, cette alerte-là, c'est important que vous aurez cette alerte-là. Qu'il n'y a pas de membre du crew connecté à ce moment, ok. Donc, vous créez un crew, c'est trop facile à faire. Vous créez un crew et c'est bon, quoi. Là, un petit chargement long encore. On va spawn dans la session. Les gars, dès qu'on va spawn ici dans la session, les gars, qu'est-ce qu'on va le faire? C'est pas terminé, hein. On n'a pas encore terminé, ok. C'est des chargements très longs que vous allez voir. Les gars, on va aller tout en haut, ok, du QG. Et on va faire des fléchettes, ok. Vous voyez les fléchettes là, qu'il y a tout en haut là. Pareil comme moi, regardez. Je vais vous montrer une petite astuce, ok. C'est un ami qui m'a passé cette petite astuce là. J'ai plus jamais raté, ok. C'est Julien Ghost, merci Joujou, comme toujours. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais cliquer Start, ok. Vous allez cliquer. Dès qu'on a le petit message en haut là, à gauche. Flèche de droite, l'option pour cliquer flèche de droite, les gars, vous allez cliquer online et rejoindre membre du crew, ok. Vous allez cliquer X. Sous cette alerte là, les gars, vous commencez déjà à spammer flèche de droite et vous acceptez l'alerte. Vous allez voir cette alerte là, vous acceptez cette alerte là aussi, ok. Vous inquiétez pas, dès que vous allez option de cliquer X, vous cliquez, ça va remonter au ciel, les gars, et on va revenir. Les gars, parfois ici aussi, les gars, il y a un chargement long, ok. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai eu des chargements de 2 minutes, comme je vous avais dit. J'ai eu des chargements de 30 secondes. J'ai eu des chargements de 15 secondes. Ça dépend, ok. Ça dépend de vous. Ça dépend comment vous êtes.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va spawn dans la session online, ok, encore avec notre personnage, ok les gars. Voilà. Donc là, les gars, on va spawn. Vous avez vu. Ok. J'ai laissé ce chargement-là exprès. Ok, les gars, pour que vous avez une petite notion. Donc là, on va spawn ici. Et là, les gars, c'est là qu'il faut bien faire. Ok. Là, maintenant, les gars, qu'est-ce qu'on va le faire? On va cliquer encore pour rejoindre membre du crew. Ok. Et là, les gars, dès qu'on va cliquer pour rejoindre membre du crew, les gars. Vous allez, dès qu'on va voir un petit chargement à côté en bas là, ça va marquer chargement. Vous allez cliquer double PS et vous allez déconnecter l'internet, reconnecter et vous attendez 40 secondes. Ok, regardez, je déconnecte, j'ai eu le petit chargement. Là, j'ai reconnecte. Ok, vous comptez jusqu'à 2. Ok, 2. Vous comptez 1, vous déconnectez et 2, vous reconnectez. Vous attendez 40 secondes et là vous allez cliquer sur la petite cape là du GTA, ok, du jeu GTA. Vous allez voir cette alerte là. Et là les gars, vous allez spawn dans la session. Je vais avancer un petit peu la vidéo parce que c'était un chargement long les gars ici. Hein. Celui-là c'est encore le plus long, ok. Là on va spawn dans la session dans le QG. Les gars, une fois vous avez spawn ici dans le QG, les gars, c'est simple. Vous allez flèche du bas, ok, vous sélectionnez le personnage que vous voulez du mode histoire. Ok, pour ma part c'est Franklin. On va cliquer rond sous cette alerte là et c'est terminé. Ok les gars, on va spawn ici avec Franklin. Les gars, ce glitch là vous pouvez faire beaucoup de choses. Ok, je vais pas vous dire ici, vous faites ce que vous voulez. Ok, regardez, je suis dans une session sous invitation avec mon personnage Franklin. Donc les gars, je vous laisse, ok, avec celui-ci là. Un gros bisou d'Hyperclone Gaming sous les fesses, ok? Et ciao! Fouille!